اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللہ تعالیٰ کے فضل سے تقریباً Par la grâce de Dieu, après une période d'environ 7 ans,
j'ai de nouveau l'occasion d'être présent en personne au Japon et de m'adresser à la Jamaat de ce pays directement. Par la grâce de Dieu, à l'instar des autres Jamaat du monde entier, la Jamaat du Japon est en train d'accomplir de grands progrès. C'est une Jamaat dont la sincérité et dont la loyauté, dont les sacrifices financiers ne cessent de croître. Mais il convient de rappeler aux membres de la communauté Ahmadiyya qu'ils ne doivent jamais se contenter de leurs acquis. Ils ne doivent pas se dire que nous avons progressé, que notre nombre a augmenté, que nous avons fait de grands sacrifices financiers et que nous avons acheté un nouveau site, un site qui pourra combler nos besoins pour plusieurs années à venir. Ils ne doivent pas se dire que nous avons acquis ce site afin de l'utiliser pour l'Ibarda, pour rendre culte à Dieu et pour d'autres programmes. Vous avez acheté ce nouveau site à propos duquel je vais présenter des détails. Mais ce que je veux dire ici, c'est que certes, vous avez acheté ce bâtiment qui est très grand. Un bâtiment qui va suffire pour vos prières. Et compte tenu de la population de la Jamaat du Japon, ce bâtiment va aussi suffire pour organiser la Jalsa Salana pour quelque temps. Ce bâtiment suffira aussi pour les bureaux. Il y a un appartement pour les invités. Il y a aussi la Mission House. Il y a aussi d'autres aménités. Et la Jamaat Ahmadiyya du Japon a fait de grands sacrifices pour acquérir ce site. Et les Ahmadis d'ici ont respecté les exigences de ces sacrifices. Mais il convient de rappeler que nous nous acquitterons de nos devoirs dans la réalité quand nous comprendrons et traduirons de la pratique les conseils que le Messie premier à l'Islam nous a prodigués. Cela va se faire lorsqu'en ayant prêté allégeance aux mains du Messie premier d'Islam, nous allons faire des efforts pour comprendre ces conseils et pour les traduire dans la pratique. Et ceci est nécessaire pour un véritable musulman. Certains sacrifices ou certaines actions qui ont été stimulées par un enthousiasme temporaire peuvent, dans certains cas, pousser d'aucuns à accomplir des bonnes œuvres. Et si ces œuvres ont été accomplies pour la cause de Dieu, on pourra certes mériter et récolter les faveurs divines. Mais nous qui disons avoir prêté allégeance aux mains du Messie premier alayhi salam, nous allons atteindre notre objectif en faisant preuve de constance et en faisant en sorte que chacune de nos actions soit un moyen pour avoir le plaisir de Dieu. Cela va se faire quand nous aurons pour objectif la raison de l'établissement de la Jamaat Ahmadiyya. Le Messie premier alayhi salam déclare : le but premier de tout être humain et d'acquérir les excellences que possèdent les munim alayh, c'est-à-dire ceux qui ont été récipiendaires des faveurs divines, des personnes qui ont été évoquées dans le verset Surat al-Ladina Anamta alayhim. Le but premier de tout être humain est d'acquérir les excellences de ces personnes, et les membres de notre Jamaat doivent prêter une attention particulière à ce propos, car en fondant ce mouvement, Dieu voulait préparer une Jamaat qui serait à l'image de celle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait qu'il en soit ainsi,
afin qu'au cours de cette dernière période, cette Jamaat puisse témoigner de la véridicité et de la grandeur du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, c'est là une grande responsabilité que le Messie premier alayhi sallam a placée sur nos épaules. Et nous devons nous efforcer d'atteindre les objectifs qu'avait atteints la Jamaat du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que nous fassions des efforts en ce sens. Les membres de la Jamaat du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui ont sacrifié leur vie et leurs biens de manière constante. Et ils se sont acquittés de leurs devoirs envers Dieu, tout en éprouvant de la crainte à l'égard de Dieu. Ils ont supplié Dieu tout en le craignant. Les compagnons du Saint-Prophète Mohammed paix soit sur lui n'étaient jamais fiers de leur sacrifice, mais ils suppliaient Dieu d'accepter leur sacrifice. Ils ont rehaussé la norme de leurs ibadas en animant leur nuit grâce à leurs actes d'adoration. Et durant la journée, leur commerce ou leurs occupations ne les ont pas distraits du souvenir de Dieu. Voilà le but que chacun d'entre nous doit essayer d'atteindre. Et Dieu a déclaré dans le Saint-Coran que si vous avez pu atteindre cet objectif, eh bien, vous allez atteindre le but de votre existence. Car l'homme a été créé pour l'adoration de Dieu. Quand nous bâtissons des mosquées, ou quand nous achetons un site pour que nous puissions rendre culte à Dieu, notre dessein, notre objectif, c'est de gravir avec constance vers le sommet qui va nous mener au but de notre création. Les ambitions de ce bas monde ont leurs limites, ont leur point culminant, et une fois arrivé au sommet, l'on peut être satisfait d'avoir atteint son but. Où l'on peut profiter ici-bas sur terre les fruits de ses efforts et de cette ambition. Mais le but de l'adoration de Dieu, c'est de s'asservir à Dieu. Et grâce à cela, on va faire des progrès sans fin et d'autres voies vont s'ouvrir à nous pour nous rapprocher davantage de Dieu. Et après la mort, l'on sera récompensé. Et l'on progressera grâce à la miséricorde sans fin de Dieu. Ce sera un progrès qui ne s'arrêtera jamais. Et là-bas, le serviteur de Dieu profitera des faveurs qui dépasseront son entendement. Les compagnons du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, ont progressé en ayant cela comme objectif. Et ils ont eu l'honneur de mériter le plaisir de Dieu, comme le dit le Saint-Coran. Le Messie premier alayhi salam désire que les membres de sa Jamaat progressent afin qu'ils atteignent le but de la création, afin qu'ils puissent progresser sur cette voie. Le Messie premier alayhi salam désire qu'il ne cesse de gravir les échelons du progrès afin qu'il ne cesse de profiter des faveurs de Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare qu'il faut qu'il y ait des membres de sa communauté qui peuvent être présentés comme témoignage de la grandeur du Saint-Coran et du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La grandeur du Saint-Coran, qui est le dernier livre révélé par Dieu et qui est le livre parfait,
Cette grandeur dépend-elle de notre témoignage? La grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des prophètes et qui est le plus aimé d'entre tous les prophètes de Dieu, sa grandeur à elle est-elle redevable envers une action quelconque de notre part? Certainement non. Ce qu'affirme ici le Messie premier alayhi wa sallam est qu'une révolution doit s'opérer en nos œuvres. En mettant en pratique les préceptes du Saint-Coran, cette révolution doit se faire en suivant la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci doit être si manifeste que le monde soit contraint de dire que cette révolution apportée en ces personnes est le fruit de leurs efforts à mettre en pratique les beaux préceptes du Coran et à suivre la sunna du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ceux qui s'acquittent de leur devoir envers Dieu. Ces personnes s'acquittent de leur devoir envers Dieu et cela ne peut s'opérer qu'en ayant atteint les sommets de l'ibada. Voilà ces personnes qui s'acquittent de devoir envers les hommes. Et cela n'est possible qu'en servant de meilleurs exemples pour toutes les valeurs morales. Selon le rapport qui m'a été présenté, on a dit qu'il y a un ami japonais de la communauté qui est un non-musulman et qui est avocat de profession. Il vous a aidé pour l'acquisition de votre nouveau site, ce site qui porte le nom de Baitul Ahad. Les démarches administratives sont presque terminées et cet avocat japonais vous a aidé en toute abnégation à surmonter les obstacles qui se trouvaient sur cette voie. Cet avocat japonais a été motivé par le seul fait que la Jamaat s'est acquittée de ses devoirs envers l'humanité en venant en aide aux sinistrés lors des séismes et lors du tsunami qui ont frappé le Japon. Et ses œuvres étaient d'une grande importance aux yeux de cet avocat. Et il a dit que le Japon est redevable envers la Jamaat. Et c'est pour cette raison que je ne réclamerai pas d'honoraires pour mes services. En tout cas, si la Jamaat a fait quelque chose dans un sens ou dans un autre, ce n'était pas pour mériter les faveurs de quiconque. La Jamaat a tout simplement accompli son devoir et il doit en être ainsi, quand nous voyons que certains sont en difficulté. Mais en tout cas, cet avocat, quant à lui, a fait preuve de noblesse de caractère et il a loué le peu de services rendus par la Jamaat et il s'est rapproché de la Jamaat. Ceci est notre devoir envers l'humanité et nous ne cesserons de l'assumer que les autres nous viennent en aide ou pas. Et nous devons informer les autres que ces droits envers l'humanité ont été définis par le Saint-Coran. Nous devons leur informer que c'est là l'exemple du Saint-Prophète. Voilà ce que préconisent les enseignements du Saint-Coran. Et nous avons reçu l'ordre quant à nous de servir la création de Dieu. En agissant en ce sens, nous allons nous faire connaître davantage. Et d'autres personnes, à l'instar de cet avocat japonais, vont venir de l'avant et vont louer les œuvres de la Jamaat. Et grâce à cela, ils vont connaître les véritables enseignements de l'islam. La renommée de l'islam s'en retrouvera grandie. Ils connaîtront la grandeur des préceptes de l'islam et d'autres voies vont s'ouvrir à nous pour l'établir. Inch'Allah, on va faire l'ouverture de cette mosquée Baitul Ahad après avoir rempli quelques exigences légales mineures. Inch'Allah, vous aurez ce bâtiment qui aura l'architecture d'une mosquée. Et cela fera connaître
davantage la Jamaat. Ce sera un moyen pour mieux faire connaître les enseignements du Coran. Et comme le disait le Messie Premier Salam, le peuple japonais est intéressé par l'islam en raison de sa noblesse de caractère. Et le Messie Premier Salam voulait leur présenter le message de l'islam. Ils sont doués de cette nature vertueuse, d'où leur intérêt pour l'islam. D'où la nécessité de leur présenter le message de l'islam. Et le Messie Prophète Salam avait recommandé d'écrire un ouvrage en langue japonaise pour ce faire. On est en train de travailler sur cet ouvrage. À la lumière de tous ces faits, vous qui êtes ici, dont une majorité de Pakistanais et d'anciens Ahmadis, il vous incombe à vous de scruter de très près vos actions. Il vous incombe d'agir en ce sens car les gens d'ici vont vous regarder de plus près. Quand vous leur prêcherez le message de l'islam, quand vous leur transmettrez le message de l'islam, ces gens examineront de plus près vos actions à vous. Ils ne seront pas intéressés à connaître les sacrifices que vous avez faits pour bâtir cette mosquée. Ils regarderont de près vos actions à vous. Et ils regarderont de près la nature de votre relation avec Dieu. Et ils voudront savoir quelle révolution pourront-ils apporter en leur personne en se joignant à vous. Sur le plan du progrès matériel, ces gens vous ont dépassé très loin. Et en apparence, ils sont d'une grande amabilité. S'il y a quelque chose de nouveau que nous pourrons leur offrir, c'est de leur enseigner la méthode pour établir une relation vivante avec Dieu. La seule chose que nous pourrons leur dire est que la religion vivante aujourd'hui, c'est l'islam. Nous pourrons leur montrer comment s'acquitter de leur devoir d'adoration envers Dieu. Nous pourrons leur informer tout simplement comment Dieu exauce les prières. Nous pourrons tout simplement leur dire comment Dieu parle à son serviteur. Mais avant d'accomplir tout cela, il nous incombe en premier d'accomplir notre analyse de conscience. Il faudra que nous renforcions notre relation avec Dieu. Il faudra aussi que nous protégions nos prières. Il faudra que nous accomplissions nos devoirs envers lui. Il faudra aussi qu'il y ait de l'amour et de la compassion dans nos relations mutuelles. Il faudra que nos valeurs et que notre amabilité soient meilleures que celles présentées par le peuple japonais. Comme je l'ai dit en apparence, ils font preuve d'une grande amabilité. Ils sont imbus de sympathie à l'égard de l'humanité. Ils retournent une faveur pour une faveur reçue, comme le préconisent les enseignements de l'islam. C'est pour cette raison que le Messie Premier Islam a dit que ces gens sont intéressés à propos de l'islam. C'est en raison de leur noblesse de caractère. Et c'est pour cette raison qu'il est important de leur présenter les véritables enseignements de l'islam. Ainsi, profitez pleinement de cette distinction du peuple japonais. Profitez pleinement de leur amabilité, de leur valeur morale. Et pour cela, il faudra que nous leur présentions les beautés de l'islam. Il faudra leur présenter les exemples pratiques de cette relation entre Dieu et son serviteur.
Pour ce faire, les Ahmadis de ce pays devront à tout instant avoir devant leurs yeux les enseignements du Saint-Coran ainsi que l'exemple pratique du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il est très important de comprendre cela. Il faudra aussi faire un rappel constant concernant les directives que nous a données le Messie premier alayhi salam. Je tiens à vous présenter quelques-uns des conseils qu'il nous a donnés. Le premier point qui est important est que Dieu nous demandera des comptes concernant nos engagements. Nous avons à notre époque prêté allégeance sur les mains du Messie premier alayhi salam. C'est un engagement que nous avons pris. Mais il ne suffit pas de lui avoir prêté allégeance. Il ne suffit pas de se dire Ahmadi. Il ne suffit pas pour les anciens Ahmadi de renouveler leur allégeance sur les mains du calife et croire que cela suffit. Le serment d'allégeance a ses exigences, exigences que le Messie premier al-Islam nous a présentées dans la forme des 10 conditions de la Bayra. Si l'on doit présenter le résumé de ces 10 conditions de la Bayra, son résumé sera qu'en toute occasion, à tout instant, on doit préférer la foi à ce bas monde et que nous devons nous évertuer en ce sens, c'est-à-dire que nous devons préférer la foi à ce bas monde. Le Messie premier al-Islam déclare, il dit, « Vous avez constaté que dans les conditions de la Bayra, je vous demande de promettre de préférer la foi à ce bas monde. Cette condition existe afin que je puisse juger comment l'initié est en train de traduire cela dans la pratique. » Le Messie premier al-Islam a déclaré que pour avoir du succès dans une tâche mondaine, eh bien, vous n'hésitez pas à remuer ciel et terre. Vous remuez ciel et terre afin d'avoir du succès dans ce domaine. Mais, dit-il, vous ne ressentez pas la même inquiétude pour ces efforts qui doivent être entrepris pour la foi. Vous ne faites pas ces efforts qui sont nécessaires grâce auxquels l'on aura à tout instant la personne de Dieu devant soi. Des efforts qui nous pousseront à vivre notre vie selon les préceptes de Dieu. Le Messie premier alayhi salam déclare que je brûle de désir de voir s'opérer en ma jamaat un changement pur. Ce changement pur que mon cœur désire ne s'est pas encore opéré au sein de ma communauté, dit le Messie premier alayhi salam. Et en voyant cette situation, je passe par l'état qui a été décrit dans ce verset, la halaka bari'u nafsaka alla yakunu mu'minin. C'est-à-dire, il se peut que tu te désoles à mourir parce qu'il ne croit pas. Le Messie premier alayhi salam ajoute, « Je ne désire pas que l'on se contente de répéter quelques paroles à l'instar d'un perroquet au moment du serment d'allégeance. Ceci n'est d'aucun avantage. Ayez conscience de l'importance de la purification de l'âme. Il est important de savoir comment se purifier l'âme. Essayez de comprendre comment purifier votre âme. En décrivant l'objectif principal du serment d'allégeance, le Messie premier des Islam déclare, il dit, apportez en vous un changement pur, soyez un homme nouveau. Il incombe à chacun d'entre vous de comprendre ce secret. Comprenez ce secret et apportez un tel changement, afin que vous puissiez témoigner que vous êtes différent de ce que vous étiez auparavant. Il est important pour nous de ressentir cette inquiétude que ressentait le Messie premier al-Islam. C'était là des paroles que le Messie premier al-Islam avait énoncées à l'égard de ceux qui profitaient directement de sa compagnie. Si ces personnes n'avaient pas encore atteint la norme requise par le Messie premier al-Islam,
s'il y avait des manquements en ces personnes, eh bien sachez qu'à notre époque, ces lacunes et ces manquements ont pris de l'ampleur. Et afin de pouvoir nous en débarrasser, il faudra redoubler d'efforts. Et c'est là que nous pourrons dissiper les soucis qu'avaient les Messie premiers, alayhi salam. Le Messie premier, alayhi salam, avait déclaré que il se désole à en mourir de voir que ses disciples ne sont pas encore croyants. Certes, en référence aux autres, cela voudrait dire qu'il se désolait parce que les autres n'avaient pas encore cru en lui. Mais ici, il est en train d'exprimer ses inquiétudes à l'égard de ses disciples. Son souci était pourquoi est-ce qu'il n'avait pas encore atteint le stade des véritables croyants. À propos de ceux qui acceptent le prophète et qui tombent dans cette catégorie, le Saint-Coran déclare que vous pouvez dire que vous avez accepté l'islam, vous pouvez dire que vous êtes obéissant, vous pouvez dire que vous êtes attaché à la Nizam et Jamaat, vous pouvez dire que vous avez accepté le saint prophète comme le dernier des prophètes, le seul des prophètes, et que vous avez accepté le Messie promis qui est venu selon les prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Vous pouvez dire que vous avez accepté ce Messie et que vous lui avez prêté allégeance et que vous vous êtes joint à lui, mais la foi n'a pas encore atteint la perfection en vos personnes. La foi a ses exigences qui sont nombreuses et il incombe de les respecter. Par exemple, il est dit que le croyant éprouve pour Dieu un amour qui dépasse tout autre amour. Et l'amour pour Dieu signifie que toutes ces relations mondaines, toutes ces relations qui intéressent toute autre chose et entrer à ce bas monde, n'a aucune importance face à la personne de Dieu. Cela signifie mettre en pratique les commandements de Dieu. Dans de nombreux versets du Saint-Coran, Dieu a déclaré qu'une des conditions de la foi est que celle-ci doit être accompagnée de bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il faut accomplir des actes méritoires, des actions qui sont en accord à la situation, et il faut accomplir ces actions avec pour but de mériter le plaisir de Dieu. Parmi les ordres donnés par Dieu aux croyants, il est dit qu'il faut qu'ils l'adorent, qu'il faut qu'ils s'acquittent de leurs devoirs envers l'ibada. C'est quelque chose de très important. Et il est dit aussi que le croyant est celui qui réconcilie les hommes afin de mériter le plaisir de Dieu. Le croyant n'est pas celui qui fomente des troubles parmi les hommes. Ces conseils ont pour but le bien de l'humanité. Ces conseils ne servent pas à nuire à l'humanité. Le croyant appartient à ce peuple supérieur qui enjoint le bien et qui interdit le mal. Et le croyant ou les croyants sont ceux qui respectent leur engagement, qui disent toujours la vérité. Il énonce cette vérité qui est exempte de toute ambiguïté, de tout équivoque. Ils sont prêts à témoigner contre leurs proches. Et ils sont animés de ce désir de se sacrifier les uns pour les autres. Les compagnons du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, s'étaient sacrifiés les uns pour les autres. Et ils nous servent d'exemple en ce sens. Ils étaient prêts à sacrifier pour les autres leurs richesses, leurs biens et leurs terres. Une autre distinction du croyant est qu'il a toujours de bonnes pensées à l'égard des autres. Il évite les soupçons. Il n'accorde aucune importance au oui-dire pour éprouver quelque rancune ou quelque antipathie à l'égard des autres. Si chacun d'entre vous applique à 100% ce seul précepte, eh bien, le progrès que vous allez accomplir sera fulgurant. «
Dieu nous a aussi ordonné de bien traiter nos épouses. Il y a ceux parmi vous qui se sont mariés avec des femmes japonaises. Et si ces personnes traitent avec compassion leurs épouses, comme le préconisent les enseignements du Saint-Coran, ils pourront présenter aux proches de leurs épouses les enseignements de l'islam. Et les croyants sont ceux qui pardonnent aux autres et qui font preuve d'indulgence les uns envers les autres. Et les croyants sont humbles dans leurs attitudes. C'est un fait que le Messie premier l'Islam a évoqué dans un couplet d'un de ses poèmes. Il a déclaré « Considérez-vous le pire des hommes. Peut-être que cette pensée vous ouvrira les portes du paradis. » C'est-à-dire, faites preuve d'humilité, considérez-vous le plus inférieur des hommes, et c'est là que vous allez mériter l'amour de Dieu. Ainsi, si vous désirez la proximité de Dieu, l'humilité est la condition sine qua non. Dieu déteste l'arrogance. Les membres du bureau exécutif doivent, dans leur cercle respectif, faire preuve d'humilité, et il en est de même à des membres de la Jamaat. Ils doivent réprimer leur colère, c'est là un autre signe du croyant. Ils doivent respecter leur engagement, tout comme je l'ai dit auparavant, car Allah vous questionnera à ce sujet. Nous avons prêté allégeance aux mains du Messie premier d'Islam. Nous lui avons prêté allégeance et il nous incombe de comprendre cet engagement. Il nous incombe de le respecter et de le mettre en pratique. Et cela sera possible quand nous allons accomplir des bonnes œuvres. Cela sera possible quand nos vies seront en accord aux préceptes de Dieu. Et cela sera possible quand nous allons suivre les directives du Messie premier l'Islam afin d'atteindre le but de sa communauté. Je ne pourrai pas en ce moment expliquer en détail ces nombreux commandements. Chacun doit se demander si sa vie est un reflet des enseignements du Saint-Coran. En ayant accepté le Messie premier l'Islam et en ayant prêté allégeance sur ses mains, est-il à la hauteur des attentes qu'ils avaient à l'égard de ses disciples ? Est-ce que chacune de ces actions est un moyen pour mériter le plaisir de Dieu? J'ai cité ce vers du Messie premier l'Islam dans lequel il déclare « Considérez-vous le pire des hommes. Peut-être que cette pensée vous ouvrira les portes du paradis. » Si cette déclaration s'applique à chacun d'entre nous, c'est là que nous saurons comment pardonner les autres. C'est là que nous pourrons éviter tout type de soupçons et c'est là aussi que nous serons un moyen pour accentuer le progrès de la Jamaat. Il incombe à chacun d'entre nous de saisir cette douleur que ressentait le Messie premier l'Islam, de comprendre ses inquiétudes. Voilà les actions qui seront propices à la purification de l'âme. Faites naître cet amour, faites naître cette compassion et cette fraternité mutuelle. Au lieu de chercher des défauts et des lacunes des autres, cherchez leurs qualités, cherchez leurs vertus. À ce propos, le Messie premier l'Islam déclare « Mettez de côté disputes, colère et inimitié. Mettez de côté cela, car il est grand temps que vous oubliez ces querelles inutiles pour vous consacrer à des tâches plus importantes, à des tâches plus glorieuses. » Le Messie premier l'Islam ajoute « Sachez que si votre vie est à l'image des directives divines et si vous allez soutenir sa religion, eh bien, Dieu va enlever tous les obstacles sur votre voie et vous allez remporter le succès. » Cette tâche importante vers laquelle il a attiré notre attention, c'est de répandre la religion de Dieu.
Le succès que nous devrons atteindre et pour lequel nous devons faire des efforts, c'est de parachever le but de l'avènement du Messie promis alayhi salam. Et le but du Messie promis alayhi salam était de rapprocher l'homme de Dieu. Son but était d'établir une relation vivante entre Dieu et l'homme. L'autre but était de faire en sorte que l'homme s'acquitte de ses devoirs envers ses congénères. Et il avait attiré l'attention des uns et des autres à cet égard. Et tout cela pourra se faire quand nous nous efforcerons à être de véritables croyants, afin que nous puissions transmettre le beau message de l'islam aux autres. Je le répète encore une fois, qu'il incombe à chacun d'entre nous de faire notre analyse de conscience. La Jamaat du Japon est toute petite, mais s'il s'y trouve quelques individus dont les actions contredisent leurs paroles, eh bien cela pourra affecter la Jamaat tout entière, en particulier les jeunes et les enfants, et cela pourra les affecter à tel point qu'ils s'éloigneront de la religion. Et quant à ses amis japonais qui sont proches de la Jamaat, en voyant ses actions, ils pourront s'éloigner de la communauté. Et quant à ces femmes ou ces hommes japonais qui se sont mariés avec des hommes ou des femmes japonais, eh bien, une fois s'être rapprochés de l'Ahmadiyya, ils pourront s'en éloigner. C'est là une situation très inquiétante. La première responsabilité incombe au président de la Jamaat et aux missionnaires en charge. Ils doivent jouer le rôle d'un père et ils doivent essayer de se réformer. La plus grande responsabilité incombe à celui qui occupe une position de responsabilité. Cela incombe à celui qui possède les connaissances nécessaires et il aura des comptes à rendre à ce sujet. Il serait tout autre concernant cette personne qui est ignorante et qui manque les connaissances nécessaires. Mais si l'on possède toutes les connaissances nécessaires et que l'on ne traduit pas cela dans la pratique, on aura plus de comptes à rendre à ce sujet. Et il incombe aussi à tout membre de la communauté, ainsi qu'aux titulaires de poste, de faire leur examen de conscience. Ces derniers doivent se demander s'ils sont en train d'assumer leurs responsabilités. Et en n'assumant pas leurs responsabilités, ne sont-ils pas en train d'engendrer du mécontentement dans la communauté ? Il y a aussi les responsables des organisations auxiliaires. Ils doivent eux aussi effectuer leur analyse de conscience. Chacun sera questionné concernant ses charges et ses responsabilités qui lui ont été confiées. Les réunions, les rencontres et les jalsa qui sont organisées ici doivent tous se faire en langue japonaise. J'ai reçu des doléances à ce sujet. Les quelques Ahmadis japonais qui sont là ne comprennent pas ce qui se passe dans ces réunions. Quant à ces femmes ou ces hommes qui ne maîtrisent pas la langue japonaise, on peut leur présenter une traduction en langue ourdou par la suite. Il ne faut pas que le programme soit en ourdou et que la traduction soit en japonaise. Il faut que ce soit le contraire. Toutes ces réunions doivent se faire en langue japonaise et la traduction doit être en langue ourdou. Il faut que l'on engage davantage les Ahmadis d'origine japonaise dans les programmes. Il faut leur donner des discours à prononcer, il faut leur enseigner ce que c'est que l'organisation de la communauté et il faut prendre leur service dans d'autres domaines. Comme je l'ai dit, vous aurez bientôt une nouvelle mosquée, Inch'Allah. Et de nouvelles voies vont s'ouvrir pour l'établir. Et tout Ahmadi devra se tenir tel un gardien sur cette voie.
Il doit se mettre là tel un gardien sur cette voie afin de guider ceux qui marchent sur cette voie, afin de guider ceux qui essayent de la trouver. Et tous ces anciens Ahmadis qui s'y trouvent et qui sont doués de connaissances doivent être présents sur cette voie pour guider ces gens. Mais comme je l'ai souligné auparavant, l'on ne pourra pas accomplir cette tâche tant que chacun d'entre nous n'a pas établi une relation avec Dieu. Cela pourra se faire uniquement lorsqu'on va rendre culte à Dieu l'unique, Dieu Al-Ahad, au nom duquel vous êtes en train de bâtir cette mosquée. On ne pourra pas accomplir cette tâche tant que vous n'avez pas compris que Dieu est indépendant et qu'il n'a de lien de parenté avec personne. Honorable à ses yeux celui qui marche sur les voies de la taqwa. Honorable à ses yeux celui qui s'acquitte de ses devoirs envers l'adoration de Dieu et qui accomplit de bonnes œuvres. Honorable à ses yeux celui qui s'efforce de servir la création de Dieu et qui essaie de pousser les hommes à se prosterner devant lui. Honorable à ses yeux est celui qui est un véritable croyant et qui est à l'image de sa description « Rohama Obeinahum », c'est-à-dire des croyants qui éprouvent de la compassion les uns à l'égard des autres. Tout Ahmadi doit comprendre que cette responsabilité n'incombe pas uniquement aux responsables, aux titulaires de poste. C'est un devoir qui incombe à tout Ahmadi, hommes, femmes, jeunes et vieux. Ils ne doivent pas s'occuper à chercher les manquements des responsables, mais doivent, en ayant accompli leur analyse de conscience, établir une relation avec Dieu l'unique. Ils doivent essayer d'être un serviteur de Dieu Ar-Rahman, afin d'être des serviteurs du Rahman. Préparez-vous à vous acquitter de vos devoirs envers cette mosquée, une mosquée que vous recevrez bientôt, Inch'Allah. Faites des efforts pour que vos sacrifices soient agréés par Dieu. Un agrément que vous recevrez en suivant les directives de Dieu. C'est un agrément que l'on recevra en suivant les directives de Dieu et par la grâce de Dieu. L'on ne pourra pas recevoir cet agrément de Dieu par ses efforts. C'est pour cette raison qu'il est important de prier, il est important de faire preuve d'humilité. Je vais maintenant présenter quelques faits concernant cette mosquée. Votre premier centre a été acheté en 1981 et il n'est pas important ici de présenter des détails à ce sujet. C'était une toute petite maison, mais en tout cas, la mosquée Baitul Ahad a une superficie de 3000 m² et 60% de ce site est couvert. Il y a une salle de prière qui peut accueillir 500 fidèles et il y a aussi des appartements. Et le site en entier a coûté la somme de 800 000 dollars, tout frais compris. En tout cas, on vous a demandé de trouver un nouveau site. Et comme je l'ai dit, la Jama du Japon a fait des sacrifices conséquents et elle a pu acheter ce site par la grâce de Dieu. C'est une toute petite jamaat qui, par la grâce de Dieu, a fait de grands sacrifices et nombre de personnes ont offert de grosses sommes. Les enfants ont offert leur argent de poche, les femmes ont offert leurs bijoux. D'aucuns ont vendu leur maison au Pakistan pour offrir les sommes recueillies pour la vente de ce bâtiment. D'autres ont vendu leurs autres biens pour avoir de l'argent pour offrir pour cette mosquée. D'autres ont vendu leurs bijoux précieux, des bijoux de famille, afin d'avoir de l'argent pour offrir pour cette mosquée. Ainsi, par la grâce de Dieu, tous ont excellé dans leurs sacrifices financiers.
tous se sont dépassés les uns les autres dans ce domaine. Qu'Allah accepte ces sacrifices financiers et qu'il bénisse amplement vos biens et vos personnes. L'enregistrement de la mosquée est presque terminé. Si cela avait été fait auparavant, j'aurais pu diriger la prière de Jumma là-bas. Mais j'espère, Inch'Allah, que vous aurez bientôt cette mosquée. Et l'avocat japonais que j'ai évoqué auparavant avait déclaré que s'il avait demandé ses honoraires, eh bien, il aurait réclamé au moins 20 000 $. C'est là une grande faveur qu'il nous a accordée, qu'Allah lui en récompense. Et vous avez commencé ces démarches pour acquérir cette mosquée il y a quelques mois de cela. Certes, vous avez fait de grands sacrifices afin d'acquérir ce site pour la mosquée. Mais l'histoire de cette acquisition prouve que sans la grâce de Dieu, cela n'aurait pas été possible. C'est Dieu qui vous a accordé son soutien et tout s'est fait d'un seul coup. C'est là un signe de la grâce de Dieu. C'est davantage le fruit des faveurs de Dieu que de vos efforts personnels. Ainsi, vous avez pu acquérir un bâtiment qui est d'une taille importante. Et je crois que quelques mois de cela, certains d'entre vous n'auraient pas pu imaginer que vous auriez pu acheter ce bâtiment. Tout cela doit nous pousser à nous prosterner davantage devant Dieu. Et je dois aussi ajouter que ces faveurs que Dieu est en train d'accorder à la communauté partout dans le monde, ces faveurs que nous voyons partout en faveur de la communauté Ahmadiyya, ces faveurs sont une réplique de la part de Dieu aux déclarations grandiloquentes des ennemis de la communauté. Et c'est une preuve de la part de Dieu que la Jamaat Ahmadiyya est véridique. C'est une preuve que la communauté jouit des faveurs de Dieu. C'est une preuve du soutien qu'il lui accorde. L'ennemi avait déclaré à l'époque du deuxième calife qu'ils allaient détruire Qadian brique par brique et qu'ils anéantiront complètement l'Ahmadiyya. Que Dieu nous en préserve. À l'époque, le deuxième calife a lancé le plan Tahrik-e-Jadid et il a déclaré que ce plan est la réponse à cette déclaration. La réponse à cela, c'est la prédication du message de l'Ahmadiyya, c'est le fait de répandre l'Ahmadiyya. Et les membres de la communauté ont fait des sacrifices financiers et on a ainsi diffusé le message de l'Ahmadiyya, l'islam véritable, dans le monde. Les missionnaires ont été envoyés dans les quatre coins du monde et on a bâti des mosquées. On a commencé à servir l'humanité. On a construit des hôpitaux, des écoles. On ne sait pas s'il reste une trace de ceux qui voulaient détruire Qadian brique par brique. Mais aujourd'hui, la communauté Ahmadiyya est répandue dans plus de 200 pays du monde. Et tous les ans, nous sommes en train de construire des mosquées. Et il y a des centaines de milliers de gens qui sont en train d'embrasser l'islam grâce à l'Ahmadiyya. Dieu vous a accordé cette ici à vous les membres de la Jamaat Ahmadiyya du Japon, une faveur de la forme de cette mosquée. C'est une chose qui apparemment était impossible dans l'immédiat. Face à cette grâce que Dieu nous a accordée, nous devons nous prosterner davantage devant Dieu. Et nous pourrons nous acquitter de notre devoir en ce sens en apportant un changement pur à notre personne, un changement qui sera agréé par Dieu. Que Dieu nous en accorde la possibilité. Dans le cadre du plan Tahrik-e-Jadid, nous sommes en train donc de voir ces faveurs divines et nous devons évoquer ces faveurs divines. «
Et je me suis dit que je dois évoquer ces faveurs que Dieu nous a accordées. Par un heureux hasard, la nouvelle année du plan Tahrik Jadid a débuté au cours de cette tournée que j'ai effectuée, où l'on peut dire que ma tournée en Australie et en Extrême-Orient, au cours de cette tournée, s'est terminée l'année précédente du plan Tahrik Jadid, où nous avons vu des faveurs divines pleuvoir sur la communauté. Au cours de cette tournée, nous avons vu ces faveurs de Dieu. Et tout cela n'est pas le fruit de nos efforts. Certainement, ce n'est pas le fruit de nos efforts. Je vais en faire mention plus tard, Inch'Allah. Comme je l'ai dit à l'instant, une année du plan Tahrik Jadid s'est terminée et je me suis dit que je devais annoncer la nouvelle année du plan Tahrik Jadid au Japon au cours de cette tournée. Je vais donc présenter quelques détails à ce sujet et je vais annoncer le début de la nouvelle année du plan Tahrik Jadid, la 80e année de ce plan. Selon les rapports que j'ai reçus, il y a un nombre de rapports qu'on n'a pas été reçus, mais cette année-ci, pour ce plan Tahrik Jadid, la communauté a sacrifié la somme de 7 869 100 livres sterling. C'est une augmentation de 650 000 livres sterling par rapport à l'année dernière. Peut-être qu'il y a eu plus d'augmentation parce que dans les monnaies locales, il y a eu une grande augmentation, mais nombre de monnaies locales ont perdu de la valeur face au livre sterling. C'est pour cette raison qu'apparemment ce chiffre n'est pas important, mais en tout cas, il y a eu de grandes augmentations dans les contributions des pays individuels. Le Pakistan a maintenu sa position. Le Pakistan est toujours en premier, mais après le Pakistan, par rapport aux autres pays, en première position, il y a l'Allemagne. En fait, l'Allemagne se trouve en deuxième position, mais si on ne compte pas le Pakistan, eh bien l'Allemagne est le premier. Ensuite, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Inde, l'Indonésie, l'Australie, deux Jamaat des pays arabes. Ensuite, il y a le Ghana, la Suisse. Et l'Allemagne, par la grâce de Dieu, a fait un très grand bond. Ils ont augmenté leur contribution par plus de 350 000 euros. Et ils ont contribué 182 000 livres sterling, plus que les États-Unis d'Amérique. Et les États-Unis d'Amérique ont contribué 75 000 livres sterling de plus que le Royaume-Uni. Et le Royaume-Uni a contribué 400 000 livres sterling de plus que le Canada. Lorsque j'ai vu ces augmentations dans les contributions de la Jamaat de l'Allemagne, je me souviens toujours des inquiétudes de l'Amir Saheb de l'Allemagne ainsi que des membres de son bureau exécutif. J'avais mis des restrictions. J'avais dit que ces Ahmadis qui travaillent là où il y a le commerce illicite, c'est-à-dire là où on est en train de vendre de l'alcool ou la chair de porc, on ne doit pas prendre les contributions de ces Ahmadis qui travaillent dans ces lieux. Et les responsables de l'Allemagne pensaient que leurs contributions vont diminuer. Mais la première année, il y a eu une augmentation de plusieurs centaines de milliers dans leurs contributions. Et cette année-ci, dans le plan Tahrik Jadid, ils ont contribué plus de 350 000 livres sterling par rapport à l'année dernière. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Par rapport aux contributions par tête, les États-Unis sont en tête de liste. Ensuite, il y a la Suisse, l'Australie, le Japon. Le Japon est en quatrième position. Ensuite, il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Norvège, la France, la Belgique, le Canada. Il y a eu des augmentations par rapport aux monnaies locales et en tête de liste se trouve le Ghana. Ensuite, il y a l'Allemagne, l'Australie, le Pakistan,
le Royaume-Uni, le Canada et l'Inde, ensuite les États-Unis. Cette année-ci, le nombre de contributeurs a augmenté. Et cette année-ci, il y a eu 225 000 nouveaux contributeurs. Et par la grâce de Dieu, le nombre de contributeurs a dépassé le 1 134 000. Par rapport aux pays d'Afrique, les premiers sont le Ghana, le Nigeria, l'île Maurice, le Burkina Faso, la Tanzanie, la Gambie, le Bénin, le Kenya, la Sierra Leone et l'Ouganda. Parmi les pays d'Afrique, c'est la Sierra Leone qui a fait un plus grand effort pour augmenter le nombre de contributeurs. Ensuite vient le Mali, le Burkina Faso, la Gambie, le Bénin, le Sénégal, le Libéria, l'Ouganda et la Tanzanie. Par la grâce de Dieu, il y a 1261 premiers contributeurs qui sont encore vivants et qui sont en train de contribuer, et on est en train de contribuer au nom des autres. Les trois grandes jamas du Pakistan sont Lahore, Rabwa et Karachi. Les 10 premières jamas sont Islamabad, Rawalpindi, Multan, Quetta, Sheikhupura, Peshawar, Hyderabad, Bahawalnagar, Okara et Nawabshah. Parmi les grandes provinces du Pakistan sont Sialkot, Sargodha, Umarkot, Gujarawala, Gujarat, Badi, Narwal, Sangar, Nankana, Rahimakhar et une autre région. Par rapport aux contributions, les grandes jamaats de l'Allemagne sont Neuss, ensuite il y a Rodermack, Cologne, Heidelberg, Koblenz, Darwesh, Mehdiabad, Weingarten, Wiesenberg, Nida. Et par rapport aux Zamaras locales, les trois premières Zamaras sont Hamburg, Francfort, Grossgrau, Wiesbaden, Wolfelden, Waldorf, Offenbach, Mannheim, Richstadt et Dietzenbach. Les grandes jamaats des États-Unis qui sont venues en tête de liste sont Los Angeles, Inland Empire, Silicon Valley, Détroit, Harrisburg, Los Angeles East, Columbus, Seattle, Los Angeles West, Silver Spring, Phoenix. Pour le Royaume-Uni, les premières jamaats sont la Bosquée Fazel, West Hill, New Malden, Worcester Park, Rince Park, Birmingham Central, Mosque West, Bait el Futur, Thornton Heath, Cheam. Et par rapport aux premières régions, pour le Royaume-Uni, en tête de liste, il y a la région de Londres, ensuite North East, Midlands, South, Middlesex. Les premières jamaats du Canada sont Peace Village, Calgary, Vaughan, Vancouver, Edmonton, Durham, Ottawa, Saskatoon, Lloydminster. Les 10 premières jamaats de l'Inde sont Kerala, Calicut, Hyderabad, Kananuntown, Bangadi, Kadian, Calcutta, Yadir, Chennai et Matatown. Par la grâce de Dieu, les jamaats de Kerala sont très actives. Les 10 premières provinces sont Kerala, Andhra Pradesh, Jammu Kashmir. Par la grâce de Dieu, encore une fois, en Afrique et en Inde et ailleurs, il y a eu de grands exemples de sacrifices financiers. Je n'ai pas le temps d'aller en détail ici. En tout cas, je vais en faire mention, Inch'Allah. La Jamaat de Kababir a envoyé son rapport. Ils ont dit que lorsqu'on a su qu'il y aura eu l'annonce de la nouvelle année du plan tactique du Japon, nous avons doublé
nos sacrifices. Nous avons augmenté nos sacrifices. C'est la plus grande jamaat des pays arabes. Selon eux, ils ont doublé leurs sacrifices. Ils ont contribué 20 000 livres sterling. En tout cas, qu'Allah bénisse toutes ces personnes qui ont fait ces sacrifices, qui ont participé dans le plan Tahrik Jadid, qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Qu'Allah fasse qu'ils grandissent dans leur foi et dans leur piété, et qu'Allah fasse que ces sacrifices soient accomplis uniquement pour la cause de Dieu, et qu'Allah accepte ces sacrifices. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وذكر الله